Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon casier, mon fameux casier que je vous montrerai tout de suite maintenant. Donc déjà, on peut voir que j'ai déjà ce skin déjà. Voilà. Donc dans les commentaires, vous devez deviner qui entre la salle et moi a le plus moujonné, a plus été le mouton dans le jeu. Qui est le plus gros mouton entre la salle et moi, vous votez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à le spam à mort, go spam à mort dans sa vidéo à la salle. Et dites-lui, réponds à Unwin. On veut savoir, on veut une vidéo sur tes skins à toi aussi. Voilà, je l'ai prévenu avant que j'allais faire une vidéo sur les skins. Et que justement, j'allais vous dire de le spam. Donc spammez-le les gars, à mort. Je veux que vous le spammiez jusqu'à que, tu vois, ouais, jusqu'à ce que tous ces commentaires, ça soit que... Go faire une vidéo réponse sur le casier et la salle montre-nous ton casier. Voilà, vous dites la salle montre-nous ton casier. La salle répond à une mine. La salle, on va voir si c'est qui le pigeon. Voilà. Donc, on va voir qui est le pigeon. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai 400 V-Bucks. Donc, ça commence plutôt bien niveau pigeonnerie. Voilà. Après, ce que je voulais rajouter de plus. Donc, déjà, passe de saison 5, vous voyez, j'ai pas fait le mouvement. J'en suis qu'au palier 26. Voilà. J'ai pas trop saigné le jeu. J'ai pas. Pas trop mougelé alors que la salle il est déjà palier 100. Il avait fait un live où il montrait le palier 100. Dans les commentaires, qui est le plus mouchon entre la salle et moi, on verra parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est moi et beaucoup de personnes qui disent c'est pas moi. Donc voilà, c'est ce que nous allons voir. Attention, c'est parti. Alors, casier, ok. Donc on est parti. On va dans les skins. Alors, il y a des skins que je sais pas du tout ce que c'est. Il y a des skins que je me rappellerai pas. Alors, déjà. On commence par le skin carburo. Donc le skin carburo, bah, c'est celui-ci. Alors, ouais, comme vous voyez, j'ai pas débloqué tous les trucs parce que je crois qu'il y a des styles à débloquer. Ouais. Regardez. Ah, voilà les trucs là. J'ai pas débloqué. J'ai pas non, j'ai pas tout débloqué. Voilà. Il y a ce style-là que j'ai pas. Ensuite, il y a celui. S'il y a des skins que vous reconnaissez et que je me souviens un peu, dites-moi c'est quelle saison, c'est que si c'est dans la boutique ou pas, parce que des fois il y a des skins de saison ou pas. Ensuite j'ai celui-ci, donc ça c'est un skin, il me semble que c'est un skin de, je sais plus quoi là, de Twitch Prime, je crois, un truc comme ça bizarre. Voilà. Ensuite, on a ce skin là, alors ce skin là je crois que c'est la saison, pas 4, je crois que c'est la saison 3, non? Je me rappelle plus, hein. Moi je suis pas trop un gros geek. Voilà, ensuite je vous dirai c'est lequel mon préféré, enfin mes préférés. Ensuite celui-ci, eh oui celui-ci vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos. Le petit skin des câlins. Ce skin, c'est qui était bah, Saint-Valentin en fait, qui est juste magnifique aussi. Je le kiffe ce skin. Ensuite, on a le faucheur, tueur à gage. Ah ouais. Qui est pas mal aussi. Qui est pas mal aussi. Ensuite, on a le skin nomade. Donc, c'est le skin de la dernière saison, donc saison 5. J'ai pas tout débloqué encore. Je n'ai même pas encore débloqué la tête de chat. Je crois que la selle avait tout débloqué, je suis pas sûr. Je crois que la salle il est là ou là, je sais plus. Faudrait que je te demande. Mais je sais qu'il est. Je sais qu'il est déjà phase 4 sur. Phase 4 ou 5, je sais pas. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Celui-là, donc c'était la saison précédente. Est-ce que j'ai tout débloqué celui-là? J'ai pas tout débloqué. Voilà. Bon, celui-là, vite fait quoi. J'aime pas trop. Bof, bof. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous pouvez répondre en même temps de dire si la salle ou moi qui est le plus le pigeon. À me dire aussi c'est quoi votre skin préféré. Voilà. Alors ensuite on a celui-ci, celui-là pardon, donc c'est Valora. Ouais, il est pas mal hein. Il est pas mal, il est pas mal. Oh, il y a franchement là en regardant tous les skins, il y a vraiment beaucoup hein. Après moi je pense que mon casier il est pas trop plein. Ensuite celui-ci, astronaute noir, le voyageur noir il l'appelle. Donc ça c'était dans une saison aussi il me semble, je sais plus laquelle, je crois que c'est la 3 ou la 4, je sais plus. C'était Thanos, je crois. Non, c'était la 4. C'était la 3, je crois. Ouais, c'était la 3. Ok. Ensuite, on a ce petit skin. Donc, c'est le skin agent élite. Ouais. On a le skin là. Ouais, pareil. Je sais pas c'est quoi. Il y a des trucs que je connais pas du tout. Le skin de lapin qui est magnifique aussi. Avec la petite tête de. Freddy, je crois. Je sais plus c'est qui lui là. Voilà. Ensuite, le skin là, bah, du coup, de la saison 5 aussi, qui est pas mal. Celui-là que j'aime bien, j'avais utilisé dans certaines vidéos ou dans live de la salle. Le skin là, chef de section, je sais pas c'est quoi ça. Chef de section, c'est quel truc ça? Ouais, il est bof. Ensuite, astronaute, le blanc, la fille,
Pas mal aussi. Ensuite, graffeuse. Graffeuse, bon, je dois avouer que j'aime bien. Ouais, je l'ai acheté, je crois que c'est un skin de boutique qui m'avait vraiment pas mal plu et j'ai kiffé. Et du coup, je l'ai acheté parce que moi j'aime bien les skins de meufs, je sais pas pourquoi. Je préfère les skins de meufs que les skins de gars. Ensuite, on a le faucon. Donc le faucon qui est pas mal aussi. Ouais, que j'aime bien, mais après, je n'ai pas trop non plus utilisé 50 000 fois, quoi. Ensuite, on a la ligne rouge. Donc ça, c'est saison 5, il me semble. Ouais, ligne rouge, c'est saison 5. Ensuite, on a Inspecteur Gadget. Noir, pas mal aussi. Donc ils disent qu'il traîne dans les bas-fonds de Tilted. Ah ouais, c'est un mec qui pèse, quoi. Ouais, il est pas mal aussi, celui-là. Alors, ensuite, on a le roi de la rouille, Rastifolage. Je suis parti dans le Rastifolage. Okay, je suis passé, je sais plus, je crois que c'est la saison avec les astronautes, celui-là. Ensuite, soldat à fâchette. Je crois que c'est la saison 1 ou la 2, ça. Je sais plus. Ça, toute première saison, je crois, celui-là. Dégueulasse. J'aime pas, moi. Ensuite, sous-commandant. Ouais. Sans plus aussi. Astronaute, le spationaute, il est dégueulasse, épave. Le graffiti, ça va, mais je préfère la meuf là. Regardez, moi je préfère celui-ci que celui-là. Parce que je sais pas. Là, le visage, il est dégagé. Puis après, voilà, au niveau des formes, c'est pas mal, quoi. Ensuite, celui-là. Ah ouais, celui-là, bah, vous l'avez, hein, vous le savez, Zoé. Je le kiffe, ce skin. Je le kiffe. Magnifique. Le skin là, c'est le. Je crois que c'est le chef bleu, c'est le basique celui-ci. Je crois que c'est un skin qui a été offert, je crois. Je sais plus. Le cheval. Wouah, putain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. C'est la saison 1, ça. Ouais, saison 1. Pas mal aussi celui-là. Ensuite, dribbleuse. Dribbleuse, voilà. Pas mal aussi. J'aime bien. C'est le truc de basket, ça. Le chevalier noir. Encore une fois. Enfin, le noir bleu. J'ai pas le chevalier noir. D'ailleurs, je crois que je l'avais pas débloqué. J'étais pas palier 100. Il me semble que j'étais palier 80 ou je sais plus trop. Voilà. Donc voilà, c'est tous mes skins. Alors, mon préféré, c'est. Je vais vous citer mes trois préférés. Donc, déjà, premier, celui-là. Voilà, ça, c'est mon premier préféré. Celui-là, je le kiffe. Je sais pas pourquoi. C'est sa tête et coup de nounours qui me fait kiffer. Ensuite, celui-là, deuxième préféré, qui est juste magnifique aussi. Et le troisième. Attendez, j'hésite là. Non, juste avec celui-là aussi, c'est pas mal. Le troisième, c'est celui-là. Voilà, la basketteuse. Alors, me dites pas pourquoi je préfère que des skins de meuf. Parce que c'est vrai, regardez, il y a le basketteuse, c'est skin de meuf. Celui-là, c'est skin de meuf. Et celui-là, c'est skin de meuf. Enfin, ouais, c'est une meuf, je crois. Ouais, c'est une meuf, parce qu'elle a des seins. Ouais, donc, c'est une meuf. Voilà. Ensuite, au niveau du accessoire de dos, on a celui-là. J'ai celui-là, celui-ci, celui-ci. J'aime bien aussi celui-ci, celui-ci. Les petits boucliers de la saison 1 de Chevalier. C'est le truc de tag. Ouais, il est pas mal aussi celui-là. Ça aussi, c'est le truc, je crois, de tas de rouille. Rafistolage. Ouais. Ça, c'est réserve dessus. Je sais pas. Ah, ça, c'était ouais, avec la meuf. Le petit sac magnifique, radiotransmetteur. L'œuf qui est juste magnifique aussi. J'ai hâte de voir les skins de la salle. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir les skins de la salle. Mais je pense qu'il a plus moujouné que moi. Le débusqueur. Le casque là. Et celui-là. Alors, mes préférés, c'est l'œuf. Bah, voilà, vous savez, je le mets tout le temps. Le petit sac de plongée, ou je sais pas quoi, là, de radiotransmetteur. Et en troisième position. Ah, les petits sacrons aussi, c'est sympa. Moi, je mettrais celui-là, moi. Troisième position, la NASA. Voilà. Ensuite, les pioches. Alors, au niveau des pioches, on a quoi? On a celle-ci. Celle-ci. J'ai pas trop moujonné les pioches. Celle-ci. Celle-là, je l'avais moujonné. Je crois que c'est une truc de boutique qui est magnifique. Celle-ci. Celle-ci de graffiti. Celle-ci, c'est la saison 5. Saison 4, je crois. La loupe. Il y a des skins, il y en a des pas mal. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, mes préférés, c'est lesquels?
Donc déjà celle-ci, la petite carotte là, de lapin. Ensuite, la petite loupe. Celle-là, elle est pas mal parce qu'elle est bien attirante, la verte là. Et celle-là. Voilà. En troisième position. Voilà. Et le caméraman, il a dit qu'il préférait celle-ci. Qui est juste à côté de moi. Ensuite, dernière chose qu'on va vous montrer, les gars, c'est. Bon, après, voilà, les lanternes, c'est les basiques, quoi. Ceux qu'on gagne dans les saisons. Les trucs, j'ai pas tout. Au niveau des danses. Ouais, j'ai pas toutes les danses aussi, hein. J'ai pas mouchonné toutes les danses. Ma préférée, ça reste celle-ci là. Non, attendez, elle est où? Celle-là. C'est la préférée. J'aime bien aussi celle-là. Voilà, après au niveau de danse, il y en a des pas mal quoi. Voilà, ensuite, les parachutes. On arrive au parachute, attention. J'ai pas trop mouchonné là, j'ai quand même. Et comparé à d'autres, ouais, je trouve que je suis pas un mouchon. Alors, on a le dragon. L'aile de Valora qui est juste magnifique. Le disco. Le diffuseur. Le interpé, je sais pas quoi. Il est pas mal aussi. Attendez, je vous le montre bien. Ouais, il est beau. Le nounours, mon préféré. Enfin, l'un de mes préférés. Le panier de basket percé. Bon, il est bof. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il fait de la musique, quoi. Ensuite, ça, bah, c'est le truc basique, quoi, planeur carbone. Celui-là, c'est la saison 5, il est dégueulasse. Celui-là, il est dégueulasse. Celui-là, il est dégueulasse. Ah non, quoique celui-là, ça va, ça va, ça va. Celui-là aussi, j'aime bien, le côté rosé. Enfin, le côté rose-rouge, quoi. Celui-là, il est rose avec les bonbons, pas mal aussi. Il y en a des pas mal. Franchement, au niveau des trucs, c'est pas mal. Voilà, bah, celui-ci, vous savez, c'est mon préféré, quoi. Je le rejoue. Il est magnifique. Le turbo planeur, bon, basique. Ça, c'est vraiment les basiques, quoi. Je pense que tout le monde connaît. Royal X. Ah ouais, celui-là, je l'ai saigné, celui-là. Hein. La première saison. Ça, après, c'est les trucs qu'on gagne quand on fait top 1. Il me semble. Celui-là, il est trop beau. Ah ouais, celui-ci, il était bon avec le truc des dragons, là. Vous avez fait la saison. L'arc-en-ciel. Ça, c'est la dernière saison, quand vous faites top 1 dans la saison 5. Et celui-ci, je crois aussi, c'est top 1. Voilà. Alors, on peut pas descendre. Ok, ils me disent que je peux descendre alors que non. Ok, bah, c'est tous mes planeurs. Alors, mes préférés. Le dragon. En troisième position. Ouais. Non, en deuxième position. En troisième position, je mets celui-là. La voiture. Deuxième position, le dragon. Première position, le nounours. Après, j'en ai aussi des pas mal que j'aime bien, donc comme celui-ci, l'aile de Valora. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et bah écoutez, les gars, si vous trouvez que je suis un mouchon dans les commentaires, un mouchon, vous me le dites en commentaire. Moi, je trouve ça va. Je pense, à mon avis, que la salle a plus saigné le jeu. Il a mis plus d'argent dans le jeu. Moi, je pense. C'est ce qu'on va avoir. De toute façon, la salle, j'attends ta vidéo. La salle, j'attends ta vidéo réponse. Ok. Donc, allez, le spam à mort. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis.